Que Dieu soit loué. May God be praised. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. We're grateful to the Lord pour sa grâce. For His grace. Il a accordé encore un temps pour nous. He has granted us another time for us. Suivez le frère Frank. I was watching Brother Frank. La réunion d'hier et d'aujourd'hui. The meeting of yesterday and today. Et je me rendais compte. And I realized that. À quel moment nous sommes arrivés. In which time are we living in now? Nous vivons vraiment à la fin des temps. We're living at the end of the time. Et comment cette pensée m'est venue. And this thought came to me. Lorsqu'il parle de la voix qui crie dans le désert. When he spoke about the voice that cried in the wilderness. Vous savez, you know, John the Baptist est venu came pour préparer la première venue du Seigneur. To prepare the first coming of the Lord. Amen. Amen. Et il a annoncé un message. And he announced a message de préparation. Of preparation. Et ceux qui ont écouté son message, and those who listened to John the Baptist, sermon, ils ont reconnu le Seigneur. They have acknowledged the Lord. Parce qu'ils étaient là ce jour-là. Because they were there on that day. Quand Jésus s'est approché. When Jesus drew near. Et il était capable. And he was able. De leur montrer physiquement. To show them physically. Celui qui était l'agneau de Dieu. That Jesus was the Lamb of God. Qui ôte les péchés. That takes away the sins of the world. Personne ne peut être sauvé. No one can be saved. À part s'il va par Jésus. Only if it goes through Jesus Christ. C'est le seul nom. It's the only name par lequel nous sommes sauvés. In whom we've been saved. Le nom de Jésus. The name of Jesus Christ. C'est le nom que Dieu a donné. It's the name that God gave pour que nous soyons sauvés. So that we might be saved. Et Jean-Baptiste. And John the Baptist était capable. Was capable de leur montrer. To show them. Que c'est lui-là. To point the finger. C'est l'homme. To say that Jesus was the man through whom you could be saved. Amen. Amen. Ils avaient besoin d'un prophète. They needed a prophet. Amen. Amen. Il fallait qu'il y ait un prophète. They needed a prophet pour qu'il leur montre to show them l'agneau de Dieu. The Lamb of God ôte les péchés. That takes away the sins of the world. Nous avions parlé de la femme samaritaine. We have spoken about the Samaritan woman. Vous savez, la femme samaritaine. You know the Samaritan woman. Elle avait une religion. She was a religious person. Elle avait une religion qui était différente. She had a religion which was different. Du peuple de Dieu. Of God's people. Mais elle croyait dans la venue du Messie. But she believed in the coming of the Messiah. Elle savait she knew qu'un Messie devait venir. That a Messiah had to come. Elle connaissait même les signes du Messie. She even knew the signs of the Messiah. Donc quand elle s'est retrouvée devant Jésus. So when she was standing in front of Jesus. Elle a d'abord mis sa religion devant. She put her religion in the first place. Mais Jésus a pu casser sa religion. But Jesus could, amen, break her religion down. Parce que la religion ne sauve personne. Because religion cannot save anyone. Jésus l'a ramené à examiner sa vie à elle. Jesus brought her back to look at her own her life, to examine herself. Parce que devant Dieu, because before God, il n'y a pas la religion. There is no religion. C'est toi, it's you, la marche et lui. Your walk with God. Et Jésus l'a ramené. And Jesus brought her en dehors de la religion des Samaritains. Out of the religion of the Samaritan, pour examiner sa marche. So that she could examine her own walk with et God. Elle était coupable. And she was found guilty. Elle-même s'est reconnue coupable. She acknowledged to be guilty. Elle a dit à Jésus, she said to Jesus, je n'ai pas de mari. I do not have any husband. Et Jésus a dit, tu as dit vrai. Jesus said, you have said the truth. Parce que tu en as eu cinq. Because you had five of them. Même celui qui est chez toi. Even the one who's left at home. N'est now, pas ton mari. It's not your husband. Alors, sur ce point. So on that point. Qu'est-ce que Jésus poursuivait? What Jesus was pursuing. Il a dit. He said. Dans Jean 3. In John. Amen. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu recherche dans nos vies. What God is seeking in our lives. Amen. Amen.
Au verset 17. Nous prenons le verset 17, oui. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Voilà le but de Jésus. This is the aim of Jesus. Il est venu pour la sauver. He came to save her. Mais elle a mis sa religion. But she put our religion in the first place. Et Jésus a mis sa vie devant. But Jesus exposed her life. Il dit, laissons ma religion. He said, let us put my religion away. Laissons ta religion. And let us forget about your religion. Prenons ta vie. Let us consider your experience. Your experience. Est-ce qu'avec ta religion? Is it with your religion? Est-ce que tu as été affranchi? Have you been set free with your religion? Elle n'était pas. But she wasn't. Mais ici la Bible nous dit, but here the Bible Dieu says, en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge. For God did not send his Son into the world to condemn the world. Que le monde soit sauvé par lui. But that the world through him might be saved. Avant même que Jésus ne vienne au puits, before Jesus to come to the world, il avait en tête. He had in his de mind sauver to save that Samaritan woman. Quand Dieu t'approche, when God draw near to you, c'est qu'il veut te faire grâce. It means that he wants to grant you grace. Il dit, moi je connais le projet. He said that I know the plan que j'ai pour vous. That I have towards Dieu you. Vient toujours avec un projet. God always comes with a project to your mais life. Mais l'homme doit accepter. But the man must accept d'être transporté to be translated dans la vision de Dieu. In God's vision. Aussi longtemps que l'homme reste dans sa propre vision, as long as the man remains in his own vision, il ne sera pas affranchi. He will not be set free. Il faut abandonner sa vision. You have to forsake your religion afin d'accepter la religion de Dieu. So that you may accept God's religion. Et la religion de Dieu, and God's religion, c'est de sauver le péché. Is to save the sinner. Amen. Il dit, mes projets pour vous, he said, my plan for you, c'est des projets de paix, are the plans of peace, et de bonheur, and happiness. Amen. Afin que vous ayez un avenir, so that you may have a future, et amen, une espérance, and a hope. Ça c'est ce que Dieu a résolu. This is what God has resolved. Mais Dieu n'échoue pas. But God never fails. L'homme échoue. A man can fail. Mais pas Dieu. But not God. Amen. Les hommes échouent. Men fail. Les prophètes ont échoué. Men can fail. The prophet came in great numbers. Le plus grand prophète. The greatest prophet. Moïse. Moses. Celui qui apporta la loi. The one who brought the law. Il n'a pas pu l'observer. He could not observe the law. Amen. Mais rien n'arrête Dieu. But nothing can stop God. Remarquez bien aimé. Notice below. Dieu dit à la femme samaritaine. God said to the Samaritan woman. Et si tu connaissais. He said, if you knew. Le don de the Dieu. The gift of God. Amen. Voilà. C'est la première révélation. It's the first revelation. La plus importante. The most important. C'est de découvrir. Is to discover. Le don de Dieu. The gift of God. Amen. Jesus Christ. Jesus Christ. Le plus grand mystère is the greatest mystery caché de tout le temps. Hidden of all ages. Nous pouvons parler de lui. We can speak of him. Nous pouvons prêcher sur lui. And we can preach upon him. Mais le plus grand jour, but the greatest day, c'est le jour où il se révèle à toi. Is the day that Jesus Christ reveals himself to you. C'est un jour particulier. It's a very particular day. C'est là que Paul pouvait dire. This is where Paul could say. Que ce qui avait du prix à mes yeux. That those things which are found in my sight, they have no value anymore. Parce que maintenant je connais. Because now I know. Celui qui a franchi. The one who can set free. J'excelle dans sa connaissance. I am excelling in his knowledge. Amen. Et tout change. And everything changes. Amen. Mais la vision du serpent aussi change. But the vision of the serpent also changed. Si vous allez dans Genèse, if you go to Genesis,
Genèse chapitre 3, Genesis chapter 3, vous allez voir, you can see there, que Eve, that Eve avait une vision. Had a vision. Cette vision venait de la parole de Dieu. That vision came from God's word. Mais après avoir écouté la parole du serpent, but after listening to the word of the serpent, sa vision a changé. Her vision changed. La Bible dit, the Bible says, qu'elle vit, that she saw. Remarquez. Amen. J'aime bien revenir sur cela. I like to come back on this. Ce verset-là, that verse, m'a toujours impressionné. Has always impressed me. Avec quelle rapidité elle a changé de vision. With so much, amen. Un verset dit que quickness, amen. L'autre verset, elle voit l'opposé. Amen. One verse after another one, she saw the opposite. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples. That's why Jesus told the disciples. De faire attention. To be, amen, cautious. To the living. Des pharisiens. Of the Pharisees. Dites, faites attention. Jesus said, be cautious. Vous savez, les religieux, the religious people, ils font la recherche. They do their research. Vous connaissez même les noms des démons. To know even the names of the demons. Mais nous, on connaissait des noms. We knew the names before. Oui. On connaissait des noms des démons. We knew the names of the demons before. Si on faisait les délivrances là. Because we were making our deliverance. Des fois, c'est vous-même qui lui demandez. Toi, tu t'appelles comment? Sometimes you can ask anyone, ah, comment tu peux what te is your name? Confier dans ce qui vient de lui? Amen. How can you trust in what is coming from the evil one? Et des fois, vous lui demandez, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez quoi? Sometimes you can even ask. We were even asking the demons, what are you doing here? J'ai même déjà entendu quelqu'un lui demander, mais maintenant, on doit faire quoi pour vous faire sortir? And once I heard someone asking the demons, what should we do in order to cast you away from here? Et lui dit, écoutez-moi d'abord. And then the demon say, listen to me. Vous voulez que je sorte? If you want me to come out, faites ça, do this and do that and that. Faisons. And then let us do. Est-ce que lui peut vous dire comment le faire sortir? Can the demon tell you what to do? How to do things? Non. No. Il n'y a que la parole de Dieu. There is only the word of God qui a franchi. That says free. Vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous a and franchi. And the truth shall set you free. Amen. Amen. Alors remarquez dans Genèse 3. Now notice in Genesis 3. Au verset 6. Verse 6. Amen. D'abord la femme parle. Au verset first, 3. The woman spoke on verse 3. Non, prenez 2 et 3. La femme répondit au serpent. And the woman said to the serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the Dieu garden. A dit, God has said. Voyez, you see, ses pensées, her thoughts, mettent la parole de Dieu au centre. Amen. Put the word of God in the center. Quand tu feras ça, when you shall do this, tu seras vainqueur. You will be an overcomer. Dieu a dit. God said. Mets-toi là. And stop there. N'ajoute rien d'autre. Do not add anything else. Dieu a dit, ça suffit. God has said and it's enough. Mais le verset 4. Verse 4. Le levain vient maintenant. Now the leaven of the servant. Remarquez le levain au verset 4. But notice the leaven on the verse 4. Alors le serpent dit. Then the serpent said to the woman, vous ne mourrez point. You will not surely die. Mais Dieu sait que for God knows le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, your eyes will be open, et que vous serez comme des dieux, and you will be like gods, connaissant le bien et le mal. Good and evil. Vous savez, les païens, you know the pagans, les gens qui ne vont pas à l'église, the people do not go to church, ils pensent qu'ils sont très intelligents. They think that they are more clever. Ils pensent que nous sommes des gens perdus. They think that we are the people who are lost, fanatics. Ils oublient qu'une fois nous étions comme eux. They forget that once we were just like them. Mais eux n'ont jamais été comme nous. But they never been like us. Donc nous connaissons ce qu'ils sont, mais ils ne savent pas ce que nous sommes. Mais we know what they are, but they do not know who we are. Amen. Ils pensent que nous sommes des fanatiques. They think that we are fanatics. Des religieux. The religious. Des gens qui vont dans les églises. The people go to churches.
Mais remarquez. But notice. Le serpent dit. Then the serpent said. Dans la sagesse du serpent. In the serpent's wisdom. Il disait la vérité. He was saying the truth. Vous n'allez pas mourir. You're not going to die. Mais lui ne savait pas. But he did not know. Que un jour pour Dieu. That one day for God. Est comme mille ans. Is like 1,000. Et mille ans comme pour un jour. 1,000 years and 1,000 years as a day. Si le jour était basé sur 24 heures, if the day was based on 24 hours, ils n'allaient pas mourir. They would not die. Mais le jour étant basé sur 1000 ans, but the day being based on 1000 years, ils allaient mourir. They were about to die. Voyez donc, il faut faire attention de la mesure dont vous vous servez. Amen. Aussi. So we need to be cautious of the measure that we use sometimes. Tu peux faire quelque chose. You can do something. N'ayant aucune conséquence directement. And you don't realize the consequence directly. Mais la conséquence viendra plus tard. Maybe the consequence of it will come later on. Amen. Vous savez, lorsqu'il s'agissait du droit de naissance, you know, when it was about the birthright, c'était la même chose. It was the same thing. Esaü n'a pas vu. Esau did not see yet l'importance du droit de importance of the birthright. Il a savouré sa soupe. He tasted the soup and enjoyed it. Et il a fini. And he finished. Et rien n'est arrivé. And nothing happened there. La vie a continué. And life continued. Jacob avait toujours faim. Was still hungry. Mais il avait la foi. But he had the faith. Qu'il avait acquis quelque chose. That he already received something. Dont les résultats n'étaient pas encore visibles. Which the outcome was not yet visible. Il avait reçu quelque chose qu'il ne pouvait pas prouver. He received something that he could not touch, he could not prove yet. C'est comme tous ceux qui sont sauvés en espérance. It's like those who have already been saved by hope. Ils ont reçu quelque chose. They have already received something. Dont le monde ne peut pas voir. Which the world cannot see. Amen. Mais eux espèrent. But they are hoping. Mais la Bible dit. The Bible says. Un jour est arrivé. One day came to pass. Vous savez. You know. Jacob n'a rien fait. Did nothing. Pour planifier ça. To plan that. Dieu. C'est comment il fait les choses. God knows how to do things. Le droit d'aînesse, the birthright, s'était échangé entre les deux. Was exchanged between the two of them. Ni Isaac, neither Isaac, ni Rebecca, nor Rebecca, ne savait knew ce qui s'était passé entre les deux frères. What happened between both brothers? Mais Dieu savait. But God knew. Et comme c'est un Dieu de justice, and because he's a God of justice, il allait tout faire. He was about to do everything so that the birthright revienne à Jacob. May come to Jacob. Remarquez comment c'est passé. Notice how it took place. C'est la maman. It's the mom. C'est Rebecca. It's Rebecca. Rebecca fait son plan. Made her plan. Elle va même jusqu'à dire. She even went to say. S'il y a une malédiction. If there is a curse. Qui vient encore de ça. And that comes because que ça tombe sur moi. Let it to fall donc, upon me. Jacob était clean. So Jacob was clean. On prenait même la responsabilité du péché. Amen. The mama took even the responsibility of sin. Rebecca ici. Rebecca here. Jouait le rôle du Saint-Esprit. Was playing the role of the Holy Spirit. Elle a pris la place. She took the place. Comme la Bible disait. By the Bible says, il vous conduira. He will lead you. Rebecca conduit Jacob. Amen. Rebecca led Jacob. Il lui expliquait. She explained to Jacob. Va faire ça. Go and do that. Et quand tu viendras, and when you come back, toi tu ne sais pas faire la soupe que you ton père aime. Know how to make the soup that your father likes. Mais là où tes capacités s'arrêtent. You know where your capacity moi, ended, ta mère. I, your mother, je pourvoirai. I will provide. Après, c'est toi qui prendras la gloire. And then it will be you who will take all the glory. N'est-ce pas la grâce? Isn't it the grace of God? C'est la grâce. It's the grace. Lui-même ne pouvait jamais faire une soupe. Amen. And Jacob could not make a nice soup pour son père, for Isaac. His father Isaac. Et l'impressionner. And to impress him. Amen. Mais
La mère a dit, ne t'inquiète. But the mother said, do not be worried. Va seulement amener les gibiers. Just go and bring me the ram. Moi-même. I myself. Je vais compléter dans cette équipement. I am going to complete what you are lacking. Elle a préparé la soupe. She prepared, she cooked the soup. Après tout, elle était même plus expérimentée que Esaü. After all, she was even more, amen, experienced than Esaü. Je vais montrer le verset des Romains. Amen. Let me show you the verse in Romans. Romains 8. Amen. Romans 8. Vous connaissez. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce que Dieu peut faire. What God can do for us. Et dans Romains 8. Vous remarquez que là où nos capacités s'arrêtent, Dieu pourvoit. God provides. Amen. Est-ce que vous pensez que c'était Rebecca? Do you think that it was Rebecca? Non, Dieu était dans Rebecca. God was in the matter. Was in Rebecca. Amen. Remarquez au verset 26. Verse 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Voyez likewise, pourquoi? The Spirit also helps in our weakness. C'est pour ça que je disais que Rebecca jouait le rôle du Saint-Esprit. That's why I say that Rebecca played the role of the Holy Spirit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. The Spirit also helps in our weaknesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. For we do not know what we should pray for as we ought. Mais l'Esprit lui-même, but the Spirit himself, intercède par des soupirs inexprimables. Makes intercession for us we groan, we groaning. Celui qui sonne les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Which cannot be uttered. Parce now, que c'est selon Dieu qui he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession to the saint according to the will of God. Rebecca préparer la soupe, prepare the soup selon le désir d'Isaac, according to the desire of en Isaac, faveur de Jacob. But in Jacob's favor. Après, elle a pris la soupe. And after she finished cook, elle a donné à Jacob. She gave it to Jacob. Il dit va. He said, Jacob, prends la gloire. Amen. Take all the glory. Et Jacob est venu. And Jacob came. Il dit papa. Say father. Voilà. Here. J'ai préparé la soupe. I have prepared the soup for you. Mais il fallait passer un test. But he had to go to a test. Ça veut dire même le Saint-Esprit. You know, even the Holy Spirit. Il ne peut pas agir sans Jésus. Cannot act without Jesus. C'est au nom de Jésus-Christ que tout doit se passer. It's in the name of Jesus that everything must take place. Le premier né. The firstborn de toute la création de Dieu, of all God's creation, c'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Alors tout celui qui doit venir, so everyone who needs to come au Père, to the Father, doit venir dans la peau de Jésus. Must, amen, must be under the skin of Jesus. C'est pourquoi Jacob, that's why Jacob devait venir dans la peau d'Isaac, d'Esaü. Amen. And Jacob had to, amen, to come under the skin of Esau. Et le test. And the test. C'était que Isaac devait le toucher. Was that Isaac had to touch him. Mais imaginez-vous. Imagine. Que Rebecca. That Rebecca avait même tout prévu. He provided everything. Imaginez-vous si c'était présentement avec la soupe. Imagine that if it was only with the soup. Va, il est devenu aveugle, il ne voit pas. Now go, your father has become blind, he cannot see anything. Don't read la soupe, ne parle même pas pour qu'il n'entende pas. Give him the soup and do not even speak because he will hear your voice. Mais Isaac, but Isaac pouvait reconnaître, could, amen, acknowledge the il voice. Il a dit, mais la voix, c'est the voice, c'est la voix de Jacob. It's the voice of Jacob. Mais viens que je te touche. But let come so that I may touch you. Il touche. He touches. Il touche la peau. He touches the skin. Il sent les poils. And he could feel the hair. Il dit. And he said. Quand je touche. When I touch. C'est mon fils Esaü. It's my son Esau. Mais quand j'écoute. But when I'm listening. C'est Jacob. It's Jacob's voice. Vous voyez? You see? Dieu sait que c'est toi. God knows that it's you. Mais quand il touche. But when he's touching. C'est Jésus-Christ. Jesus Christ that he's touching. Amen. C'est ça la bénédiction. This is the blessing. Tu ne viens pas dans ta peau. You do not come with your own skin. Mais tu viens dans la peau de Jésus. But you come with the skin of Jesus Christ. C'est pour ça que Rebecca. That's why Rebecca.
a dit à Jacob, said to Jacob, tu porteras la peau d'Ésaü. You're going to wear Esau's skin. Quand tu viendras, when you will come, Isaac va passer le test. Is going to make you to pass the test. Il a touché. He touched it. Il ne voyait plus. He could no longer see. Mais il pouvait entendre. But he could still hear. Il pouvait toucher. And he could still touch. Quand il a entendu, when he heard the voice, il a dit, he said, c'est la voix de this Jacob. This is the voice of Jacob. Mais moi j'ai envoyé Esaü. But I've sent Esau. Mais la voix que j'entends. But the voice that I've heard. C'est la voix de Jacob. It's the voice of Jacob. Mais il y a un deuxième test. But there is a second test. Viens que je te touche. Come so that I may touch. Je sais que mon fils Esaü. I know that my son Esau a beaucoup de poils. Has so much hair in his body. Alors je vais te toucher. So I'm going to touch. Parce que tu dois savoir que le droit d'aînesse appartient à Esaü. Because you need to know that the birthright belongs to Esau. Alors je dois m'assurer. So I have to make sure que je bénis Esaü. That I am blessing Esau. Mais dans le plan de Dieu. But in God's plan. Le droit d'aînesse avait déjà changé de main. The birthright already changed. Mais Isaac. But Isaac. Il était toujours dans l'ancienne vision. He was still in the old vision. Il pensait que c'était Esaü. He thought that it would be Esau qui avait toujours le droit d'aînesse. Who still had the birthright. Alors il a touché. And he touched. Et il était confus. And he was confused. Il dit non. He said no. Mais quand j'entends la voix, when I'm listening to the voice, c'est Jacob. It's Jacob. Mais quand je touche, but when I'm touching, c'est Esaü. It's Esau. Donne-moi la soupe. Give me the soup. Je mange. Let me eat. Et puis je vais te bénir. And then I will bless you. Quand nous venons à Dieu, when we come to God, il entend ta voix. He hears your voice. Il sait que c'est toi. He knows that it's you. Mais si tu dis, but if you say, je viens au nom de Jésus, I come in the name of Jesus Christ. Le Seigneur te bénit. The Lord will bless you. À cause de celui que tu portes. Because of the one that you are bearing. Amen. Jacob a été béni. Jacob was blessed parce qu'il portait la peau de celui qui avait le droit d'aînesse. He was wearing the skin of the one who deserved the birthright. Et Jésus Christ. Jesus Christ est le premier né de la de toute la création. He is the firstborn of all God's creation. Il porte le droit d'aînesse. He is carrying the birthright. Nous avons lu dans Ésaïe la fois. We have read in Isaiah last time. Amen. Prenons ça, Esaïe, dans Éphésiens, pardon. Éphésiens. Dans Éphésiens, nous avions lu la fois passée, ou même dans Timothée, de Timothée. Mais nous avons lu que nous sommes co-héritiers. We read that we are co-heirs. Amen. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. We are co-heirs with Jesus Christ. Et remarquez une chose. And notice one thing. Comment est-ce que nous sommes devenus co-héritiers? How? We have become co-heirs. Regardez, prenez dans Ephésiens 2 d'abord. Ephésiens 2. Au verset 13. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. In Amen. Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen. Amen. Vous étiez éloigné. You were far off. Maintenant, par le sang. Now, by the blood of Jesus Christ. Vous avez été rapproché. By the blood of Christ, you've been brought near. Que Dieu soit loué. May God be praised. Je disais tout à l'heure. I was saying earlier que nous avons vu dans Ésaïe 40. We have seen in Isaiah 40. La consolation que Dieu promet. The comfort that God is promising. Il dit, dites à mon peuple. Say, tell my people. Dites-lui. Tell que je l'ai pardonné. I have forgiven. J'ai rendu au double de ses péchés. I have granted it in the double of our sins. Consolez-les. Comfort my people. Amen. Amen. Maintenant dans Malachi. Now in Malachi. Le chapitre 3. Malachi chapter 3. Là aussi. There also. Au verset 3. Au verset 1. Verse 1. Voici j'enverrai mon messager
Il préparera le chemin devant moi. Behold, Amen. I send my messenger, and he will prepare the way before me. Amen. Il préparera le chemin devant moi. He will prepare the way before me. Dieu donne toujours. God always gives un message avant sa venue. A message before his coming. Parce qu'il n'appelle pas l'homme en jugement. Because God does not call a man into judgment avant de l'avoir prévenu. Before warning him first. Dieu prévient d'abord. God always warns. Il informe. He informs. Et celui qui l'écoute and the one who receives the message est épargné. He will be spared. Et celui qui l'écoute pas, but the one who does not listen, il n'est pas épargné. He won't be spared. Dans Malachie 4, in Malachi 4, le premier verset. Verse 1. Car voici le jour vient. Ça, c'est un avertissement. Behold, the day is coming. This is a warning. Ardent comme une fournaise, burning like an oven, tous les hautains and all the proud, et tous les méchants, yes, all who do wickedly, seront comme du chaume, will be stubble. Le jour qui vient les embrasera, and the day which is coming shall burn dit l'Éternel them up, des armées, says the Lord of hosts, il ne leur laissera ni racine ni rameau, that will leave them neither root nor branch. Mais pour vous qui craignez mon nom, to you who fear my name, se lèvera le soleil de la justice. The sun of righteousness shall arise. Qui est le soleil de la justice? Who is the sun of righteousness? C'est Jésus. It's Jesus Christ. Amen. Amen. Il se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux. With healing d'âme. In his wings, and you shall go out and grow fat like et vous foulerez les méchants. You shall trample wicked, car ils seront comme de la cendre. Oh, they shall be ashes under de vos pieds, the soles of your feet. Au jour que je prépare, dit l'Éternel. On the day that I do this, says the Lord of hosts. Mais le verset 4 dit, verse 4 says, souvenez-vous de la loi de Moïse, remember the law of Moses, my servant, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, him in Horeb for all Israel, des préceptes et des ordonnances, with the statute and judgment, avant que le prophète vienne, before the prophet come, Dieu a donné une loi. God gave a law. Il dit retournez d'abord. Say go first. À tout ce que j'ai donné, to all that I gave, à Moïse, to my servant Moses, mon serviteur. Même quand Dieu envoie Josué, even when God sent Joshua, il lui a dit, he told Joshua, prends tout ce que j'ai donné à Moïse. Take all that I've given to my servant Moses. Ne laisse rien. Do not leave anything. Mais prends tout. But take everything. Considère cela. Consider that. Amen. Et je serai avec toi. And I'll be with you. Dieu, c'est un Dieu de continuité. God is a God of continuity. C'est pas un Dieu qui arrête ici. It's not a God that commence une nouvelle aventure avec quelqu'un. Start a new else. Où tu es avec Dieu, où tu n'es pas. Or you are with God, or you're not with him. Dieu continue ce qu'il a commencé. God continues always what he has started. Il n'échoue pas dans sa mission. And he never fails in his mission. Amen. Que Dieu soit encore loué. May God be praised. Mais la pensée ici, c'est quoi? But what is the thought behind this? Lorsque Dieu nous envoie sa parole, when God sends his word to us, ça nous ramène à une promesse toujours. It always brings us back to a promise. À chaque parole de Dieu, to each word of God, il y a toujours une promesse à la there fin. Is always a promise attached to it. Remarquez, si vous remarquez dans Deutéronome, notice that if you go to Deuteronomy, le chapitre 28, chapter 28, vous allez remarquer qu'il y a une partie that there is a part, où il dit si vous faites ça, vous faites he ça. Said, if you do that, do this, do this. C'est toujours la partie des recommandations ou des préceptes. Is always the part of recommendation and statute. Et il y a une partie où il y a maintenant la conséquence. Also a part of consequences. Vous obéissez. You obey, vous serez béni. You be blessed. Vous désobéissez, you disobey, vous verrez le fruit aussi. You're going to see the fruit of it. Mais remarquez, but notice, par rapport à tout ce qui se passe maintenant, notice to all that is happening now. Paul disait, Paul français, il dit,
Les dirigeants du monde, he said, all the leaders of the world, ils savent pas quoi faire. They do not know anymore what to do. On écoute les informations. We listen to the news. On attend qu'on nous dise quelque chose. And we expecting them to tell us something qui va consoler nos cœurs. That can comfort our hearts. Il n'y a rien. There's nothing. Mais la consolation viendra de Dieu. Amen. But the comfort will come from God. Amen. 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 Jean 14. John 14. Verset 1. Verse 1. Que votre cœur ne se trouble point. Do not let your heart be troubled. Croyez en Dieu. Believe God. Et croyez en moi. And believe also in me. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. In my Father's house there are so many mansions. Et si cela n'était pas, and if this were not so, je vous l'aurais dit, I would have told you. Je vais vous préparer une place. I am going to prepare you a place. Et lorsque je m'en serai allé, and when I will go, et que je vous aurai préparé une place, and I'll prepare a place for you, je reviendrai. I will come back. Et je vous prendrai avec moi. And I will take you with me. Croyez-vous que nous approchons de ce moment? Do you believe that we join here to that time, to that moment? Now? Je reviendrai. I will come back. Et je vous prendrai avec and moi. And I will take you with me. Alors ne soyez pas troublés. So do no longer be troubled. Faites confiance à celui qui a fait la promesse. Trust to the one who gave the promise. C'est le moment is the time où les véritables croyants where the true believers doivent avoir une promesse must dans leur have a promise in their heart et croire la promesse and to believe the promise jusqu'à la fin until the end. Vous savez, après qu'on a arrêté Jésus-Christ, you know, after Jesus to be arrested, ils l'ont crucifié, they crucified him, et les disciples, and the disciples, étaient dispersés, they were all scattered. Et c'était un moment difficile. And it was a very hard moment for all of them. Pendant ce temps-là, during that time, il y en a qui ont perdu la foi. There were some who lost the faith. Étienne, Stephen, a pris le courage. A man was courageous. Mais un courage sans sagesse. But a wisdom with a courage without wisdom. Vous savez, même le zèle. You know, even the zeal. Doit toujours être accompagné de la conduite. Must always be accompanied with leading. Il est allé prêcher. He went to preach. Mais c'était pas encore le moment. But it wasn't yet the time. On l'a pris. They took him. Et on l'a tué. And they killed him. They stoned him. Quand on l'a tué, when they killed him, les autres ont vu. And the other ones saw it. Ils ont paniqué. They panicked. Ceux qui devaient perdre la foi ont perdu la foi. Those who had to lose faith, they lost their faith. On a tué votre maître. You must have been killed. Et maintenant on vous tue. Now they're killing you. Mais c'est comme si Dieu était parti en vacances. But it's like God went to holiday. Aucun secours. No help. Rien. Nothing. On les tapait, on les jetait en prison. They were beating them up and putting them in prisons. Pas d'intervention. No intervention from God. Sauf quand Except Dieu les a libérés de prison. When God's amen freed them from the prison. Mais Dieu laissait tout ça. But God allowed all this to happen. Pour que les incrédules, so that the unbelievers, puissent partir. May go. Amen. Amen. La foi doit toujours être testée. Amen. The faith must always be tested. Amen. Ce n'est pas seulement dans la facilité, it's not like in easiness, que ils ont remporté. That they overcame. La Bible dit, the Bible says, ils ont vaincu. They overcame. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Because they did not love their own life. Jusqu'à craindre la mort. Till to fear death. Amen. Mais ils ont vaincu. But they overcame. À cause de la parole de leur témoignage. Because of the word of their testimonies. Et du sang de l'agneau. And of the blood of the lamb. C'était ça la victoire. That was their victory. Je crois que c'est la même chose en ce temps. I believe that it should be the same thing now. Nous vaincrons. We shall overcome. À cause de la parole de notre témoignage. Because of the word of our testimony. Parce que nous n'allons pas aimer notre vie jusqu'à la mort. Because we will not love our life till to fear death. À cause du sang de l'agneau. But because of the lamb, les trois choses. Amen. The blood of the lamb. Ça garantit la vie. The three things, amen, that gives, amen, you the victory. Amen.
L'apôtre Paul a été amené à un niveau de foi. Apostle Paul was taken to a level of faith. Où il pouvait dire, where he could say, qui me séparera? Who shall separate? De l'amour de Jésus. With the Lord Jesus. Si même pas la mort, je ne plus. Not even death. I'm no longer afraid of death. Les chaînes, je ne plus peur. The chains, I'm not afraid of. La tribulation, je ne plus peur. Tribulations, I'm not afraid of. Il n'avait plus peur de rien. He wasn't afraid of anything anymore. Alors il pouvait maintenant confesser la victoire. Now he could start confessing the victory. Il a dit, j'ai combattu le bon combat de foi. I fought a battle of faith. Il n'a pas dit, et je vaincrai. He said, no, and I shall overcome. Non, il a dit, et je vaincrai. And he said, I shall overcome. Mais il était toujours dans la chaîne. But he was still chained. Mais il a confessé but la victoire. But he confessed the victory. Alléluia. La victoire dans sa foi. The victory in his faith. Il pouvait être en prison. He could be in prison. Dans physiquement. Physically. Mais dans la foi. But in his faith. Il avait la victoire. He already overcame. Parce qu'il n'avait plus peur de rien. Because he wasn't afraid of anything. De la mort. I mean, not even of death. Il dit, même si un ange, he said, even if an angel, même un homme, even a man, personne ne pourra plus me séparer. No man, no one can separate me from the love of God. Il dit, en lisant ce que j'écris, he said, by reading, amen, what I've been able to write sur Jésus-Christ, about Jesus Christ, vous pouvez vous représenter, you can yourself represent le niveau de la connaissance, amen, que j'ai the level of the knowledge that I have about this revelation. Il avait atteint un niveau. He reached the level. Notre foi. Our faith. Doit être amené au niveau de la victoire. Must be brought to the victory, the level of the victory. C'est ça qu'on appelle la foi des vainqueurs. That's what we call, amen, the faith of the overcomers. Lorsque tu ne redoutes plus rien. When you do not doubt anything anymore. Où tu n'as plus peur de rien. When you are no longer afraid of anything. Même pas le COVID-19. Not even the COVID-19. Amen. Est-ce que vous pensez que, ne savez-vous pas qu'il y a des élus qui sont aussi morts de COVID-19? Amen. Oui? Don't you know that there are some electors died of COVID-19? Oui. Yes. C'est pas ça, la victoire c'est pas là. The victory is not the flesh. La victoire c'est dans l'homme intérieur. The victory is in the inner man. Sinon on devait jeter la Bible. Otherwise we would have thrown away the Bible. Parce que Paul est mort en prison. Because Paul died in prison. Si c'était ça la référence, if this was the reference, personne n'aurait la victoire. No one will have the victory. Mais la véritable victoire, but the true victory, c'est lorsque ta foi, it's when your faith, a dépassé la peur de la mort. Has gone beyond the tu n'as plus peur de rien. Amen. To be frightened of death and you are no longer afraid of anything. Amen. Même pas du corona. Not even of corona. Amen. Amen. Il y a des gens. There are people qui, ces derniers temps, these last days, dès qu'il y a un petit démon qui vient les chatouiller à la gorge, ils paniquent. If there is a little demon that can come to scratch your throat, you start panicking. They, on avait dit. Ah, they say. On avait dit. They say. Qui sont on? Who are they? Ce n'est pas les mêmes personnes qui changent de version chaque jour. It's not the same people are changing versions every day. Je vais vous dire, si vous voyez ça, c'est ça. Si vous voyez today ça, he say, if you see this, is this. If you see this, is this. And then it's après, confusing. Après, eux-mêmes reviennent encore. And then themselves come back again. Il dit, non, même sans symptômes, he says, not even with any symptoms, you can still have it. C'est compliqué. It's complicated. Mais toi, tu vas veiller comment? But how can you watch over? Parce qu'on t'a dit, because you've been told, que tu n'as rien senti, that you cannot even feel anything. Mais tu as ça. But you will have it. Il faut se casser sous le sang. We all only need to hide ourselves under the blood. Amen. Amen. Sinon tu vas passer le temps de les surveiller si tu as. Otherwise, you're going to spend all your time just to check what's going with my throat, what's going with my head. Respectez. Respect. Ce qu'on dit. What they say. Lavez les mains. Wash your hands. Gardez la distance. Amen. Keep the distance. Évitez les attroupements. Avoid the crowd. C'est pas mauvais. It's not bad. Même Dieu. Even God. Veut que tu prennes soin de ta santé. He wants you to take care of your health. Mais ne vis pas dans la peur. But do not live, amen, in fear. Il y en a qui meurent même à cause de la peur seulement. There are some who are dying just because of being frightened. Mais si celui qui garde, but if the one who keeps it, Israel,
The one who gives Israel sommeil, never slumber or sleep. Et que c'est le même qui te garde. And he is the one who is also keeping you. Vous connaissez cette écriture. You know the scripture. Je lève mes yeux vers la montagne. C'est de là que viendra mon secours. This is where my help shall come. C'est lui qui me garde. The one who keeps me. C'est le même qui garde Israël. He's the same that keeps Israel. Lui, il ne dort pas. He never slumbers. Il ne sommeille pas. Sleep. Comment Corona va le surprendre? How Corona can surprise him? Mais moi j'ai dit, but I say, si dans le plan parfait de Dieu, if in the perfect will of God, il veut que je sorte de ce monde par Corona, want me to come out of this world with Corona, but let His will be done. Parce que la Bible dit, because the Bible says, à quoi servait-il à un homme, what will serve a man, de gagner le monde entier, to gain the whole world, et perdre sa âme, and to lose his own soul. Moi c'est mon âme. It's my soul qui m'intéresse. That count the most. Que mon âme soit sauvée. That my soul to be saved. Amen. For my salvation. Voilà ce qui est plus important. This is the most important. Mais Jean 14. John 14. Que votre cœur ne soit pas troublé. Amen. Amen. Mais au lieu d'être troublé, instead of being troubled, croyez Dieu. Believe God. Jésus-Christ. And believe Jesus Christ. Voilà. See, c'est l'attitude. It's the attitude. Crois Dieu. Do you believe? Amen. Crois Dieu. Amen. Believe God. Amen. 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 Et parmi les choses, and among the things, dont le Seigneur veut, which the Lord wants, c'est que nous puissions pratiquer l'amour. Is that we may practice love. Ça c'est un sujet dont tout le monde parle. Même this is a subject that everybody speaks about, even the Catholic people, love tout le monde, everybody speaks about it. Mais tu ne peux pas aimer. You cannot love. L'homme ne peut pas aimer. Man cannot love. L'amour agapao. The agapao love. Aucun homme ne peut produire. No man can produce it by himself. C'est l'Esprit de Dieu. It is the Spirit of God qui vient produire ça en toi. That comes and produces in you freely. Ne cherche pas à aimer. That's why you not seek to love. Cherche d'abord Dieu. But seek God first. Quand tu auras Dieu, when you have God in you, on te dira plus aime ton frère. No one will tell you to love your brother. Amen. Ça viendra automatiquement. It will come. Amen. It will happen automatically. Si tu vois que tu as la haine, if you can feel that you have hatred in your heart, et que tu as la jalousie, and you are jealous, que tu as tous ces sentiments, that you have all these feelings, ça veut dire que tu manques Dieu. It means that you missing God. Amen. C'est tout. Amen. Alors, tu peux gêner, prier, so you can pray, je commence à aimer, pray, je commence oh, let me start to love, let me start to love. Non. Nothing will happen. Le Seigneur, viens. Say, Lord, come to me. Parce que quand tu viens, because if you come to me, tu amènes tes vertus à moi. You bring your virtues to me. Yes, amen. C'est pour ça que la Bible parle des fruits du Saint-Esprit. That's why the Bible speaks about the fruit of the Spirit. L'homme ne produit pas les fruits. Man cannot produce fruits. Non. No. Le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, produit les fruits en lui. Will produce amen. The fruit. Amen. C'est pour cela. That's why. Je disais à un frère. I was telling the brother. J'ai dit, quels sont les fruits que tu pratiques? What are the fruit that you are practicing? Et quand tu les pratiques, and when you put them in practice, tu te sens comment? How do you feel? Amen. Est-ce que c'est la joie? Is it the joy? Ou c'est le regret? Or is the regret? Les enfants de Dieu, children of God, ils ont fait le bien. When they've done good thing, ils sont contents. They are happy. La Bible dit, the Bible says, il y a plus de joie, there de bonheur, more joy, à donner more qu'à recevoir. Than to receive. Ça, ce n'est que par le Saint-Esprit. This can only be done through the Holy Spirit. Il y en a qui peuvent donner, mais ils souffrent. There are some who can give, but they're suffering. Donne, mais j'ai mis en they are, they are giving, but donner at the same time. Just to give, but it's hard to give. That's what happened. N'est-ce pas? Oui. Ananias et Saphira. Ils ont aussi donné. They also gave.
Si même on regardait la valeur de ce qu'ils ont donné. Even if they, we could look at the value of what they gave. C'était beaucoup. It was so much. Mais le cœur. But their hearts. Gémissait. Was groaning. Et Dieu n'était pas content. And God was not happy. Amen. Mais quelqu'un qui donne. But someone who gives. Il sent la joie. And feels the joy. Oh Seigneur. Oh Lord. J'ai fait quelque chose. I've done something. Je pense que ce n'est pas moi. I know that it's not me. Cette capacité-là vient de toi. It's coming from you. Comme Paul dit, ce n'est pas que nous sommes capables de faire partie en venant de nous-mêmes. As if it's coming from us. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Come from God. Alors celui-là se réjouit. So that one will rejoice. Mais un autre. Another one. Quand il fait le mal. When he's doing evil, il se sent content. He is happy. Comme s'il a fait la volonté de son père. As if he has done the will of his father. Effectivement, Jésus a dit, Jesus said, vous faites la volonté de votre père, le diable. The devil. Amen. Ces gens-là, those people, se sont sentis heureux en voyant Jésus sur la croix. And could feel happiness when they saw Jesus hanging on the tree. Ils étaient contents. They were happy. Mais ceux de Dieu, but those of God, souffraient. Amen. They were suffering. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui réjouit ton cœur? So what is rejoicing your heart? Ça c'est un test que tu peux faire toi-même. This is a test that you can make yourself. La joie à ton cœur. Is this bringing joy in your heart? Amen. Est-ce que tu peux confesser comme David? Can you confess like David? Je suis dans la joie. So I am happy. Parce qu'on me dit, when they tell me, allons dans la maison du Seigneur. To go to the house of the Lord. Que tu sens cette joie. Do you feel that joy? Oui, tu y vas. Oh, you going? Tu dis encore. Again. Quoi, c'est déjà le jour de l'église. Ah, it's already the day of the church. Again. Ça vient vite, hein? And it's happening so fast. C'est comme si on était hier. It's as if we were there yesterday. Mais quand tu commences à être impatient. But when you start to become impatient. Faut pas un petit. What I'm saying? Que that le croyant, the believer, il attend. He's waiting. On ouvre la porte de l'église. That the door of the church to be open. Il est impatient. He's impatient. Qu'on ouvre la porte de l'église. That the door of the church to be open. Que Dieu soit loué. May God be praised. Le zèle, the zeal, qu'apporte l'évangile. That brings the gospel. Ce n'est pas la religion. It's not religion. Non. No. C'est pratiquer la volonté. It's to practice God's will. Amen. Et si on pratique la volonté de and Dieu, if we practice God's will, et que nous ne faisons que ce qui est écrit dans la parole, and de Dieu, we only do what is written in the word of God, alors nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu. And then we will be in harmony with the will of God. Amen. Voilà ce qui est important. This is what is important. Nous allons prier. We're going to pray. Amen. J'aimerais juste qu'on retienne ceci. I would like us to remember this. Le Seigneur, the Lord, est venu, came, non pas pour juger le monde, not to condemn the world, mais pour que le monde soit sauvé, but so that the world might be saved through him. Alors il a dit, and then he said, croyez en moi. Believe in me. Ceux qui ont écouté le frère Frank, those who listened to Brother Frank, hier, yesterday, et aujourd'hui, and today, je ne sais pas s'ils l'ont écouté comme moi. I don't know if they have listened to him. Mais c'est like comme me, s'il disait, but it's as if he was saying que maintenant, that now chacun doit s'accrocher. Every one of us must cling on what he has believed. Amen. Oui. Amen. On vérifie. We need to check. Qu'est-ce que j'ai cru? Did I truly believe? Accroche-toi à ça. Amen. And cling on it. Amen. Et ça. Amen. This is moi j'ai compris. This is what I understood. Jusqu'à aller même dans Jean 14. You to go to John 14. La promesse. The promise. Il a pris quoi? Isaïe 40. He took Isaiah 40. Malachi. Jean 14. Malachi 3, 1. John 14. You see the scripture. Les prophètes qui annoncent la venue. Announce et puis la venue. Et la promesse qui s'attache à la venue. That is attached. Voilà comment il faut écouter ça. This is how we should listen to it. Amen. Amen.
Les autres choses peuvent être dites au milieu. The other things can be said. Mais il y a un message. But there is a message behind. Pendant ce temps-là, but during this time, que devons-nous faire? What should we do? Retournez au message. To go back to the message. Et rappelez-vous de la promesse. And to remember the promise. Attachez-vous à ça. And to be attached to it. Amen. Que Dieu soit loué. Mais